Ouais, petit pote, ça dit quoi la zamée? On est de retour sur Madden 21 directement. Je vous avais dit hier que je sortais une vidéo le lendemain. Et en fait, hier, c'est aujourd'hui. Hier, c'est aujourd'hui pour moi. T'as capté? Putain, quand je vois Ultimate Team, j'ai envie de jouer. On a dit qu'on allait faire Face of the Franchise. J'ai envie de faire The Yard aussi, putain. Mais il faut faire l'histoire. Commencez votre journée en high school. Briller pour devenir une légende NFL. Quarterback, running back ou receveur? Je pense que moi, je prendrai un running back. Et j'espère, s'il vous plaît, que c'est pas nous qui choisissons nos jeux. Parce que si c'est nous qui choisissons nos jeux, dès que j'arrive en NFL, j'arrête. Je vous le dis tout de suite. Mais je pense que même ça va être ça. Je vais juste faire l'histoire jusqu'à ce que j'arrive en NFL. Après, en NFL, dit que ça merge. Je continuerai Ultimate Team. Enfin bref, c'est parti pour le mode Face of the Franchise. Ah ouais, c'est le même joueur. Ah. Bah, on va faire l'histoire. Non, on va faire mon histoire à moi. Franchement, c'est vraiment dans The Yard. Là, on va faire mon histoire à moi. Ouais, je me dis parce que si je commence à faire l'histoire de franchement, ici aussi, frère, là, ça va être trop wesh. Non, franchement, lui, là, c'est fini, la NFL pour lui. Là, ça va être l'histoire de Freeman. J'aurais pu faire l'histoire de franchement en NFL, hein, mais non, ça va être l'histoire de Freeman. Si il est aux States et qu'il est allé en NFL, voilà. Je vais lui mettre un petit book d'acteur de Huck, ça va faire plaisir. Les yeux, moi, mes yeux sont pas en amande, moi. Ils sont des gros yeux, moi. Oh, comme ça, ils me ressemblent, je trouve. En vrai, on a la même gueule, non? Let's go! Zarma! Je suis mort. Hey, c'est quoi l'adresse encore? Je vais vous traduire un peu si vous comprenez pas trop, vous inquiétez pas. High school, prep. Oh, c'est lourd, wesh! Oh, je suis en high school. Les noms de l'école. Zulu School. Zulu School. Intercity. La ville. La ville. Qu'est-ce qu'on va mettre comme ville? Gotham. Ouais, on est à Gotham. L'État. En Arizona, comme ça, après, je vais finir en Arizona. Ouais, je suis dans high school, il est balèze comme ça, là. And most of my crew is out with food poisoning. I told them not to order sushi on a Monday. Everyone knows that's the leftovers from the weekend. Wow, I'm rambling. Hi, I'm Kelly Porter. I'm Reggie's producer. Oh my goodness. Okay, if you don't mind, I am going to sit you down and I'm gonna mic you up. How does that sound? Okay, great. We're gonna throw you right here. And, you know, I've never done this before. I'm wearing a lot of hats today. But not makeup and hair. You know why? Because Dax, what's up, Dax? Dax and I are vegan, and we didn't catch the same plague that the rest of the crew caught. Okay, so you know what? I think I'm gonna need an audio level from you. So, yeah, just... Cat, dog, penguin. Cat, dog, penguin. Check, check, 1, 2, 1, 2. Hello. Check, check, 1, 2, 1, 2. Check, check, 1, 2, 1, 2. Sounds good. Okay, everything looks good. Reggie? It's all yours.
Hey. Oh, man, it's great to have you here, back where it all started. It's good to be back and to see a familiar face. You look great. Oh, come on, man. Look at you. You're the one that look good. So listen, basically, today is going to be pretty straightforward. Bande de gamins, vous m'avez même pas dit là, ma batterie, c'était niqué. J'étais en train de parler dans le vent tout à l'heure. J'avais plus de batterie dans mon appareil. Show before. Okay, well, I'm just going to ask you some questions about your life and career. It'll be fun reminiscing. Donc là, il va me poser des questions sur ma carrière et ma vie. I got your agent's threatening texts and the kid glove stays on today. Okay. Whoa. Ho, ho, ho. I see you still got those all-pro reflexes. Yeah. Ironically enough, that's how it all started for me. Putain, j'ai mis une voix comme Patrick Mahomes. You know, if memory serves, oh, you didn't start out playing football back then. That's right. It's my first day here as a transfer student. Football just kind of found me. Now for the beast, the Renaissance. Your helmet. Got those fancy words from this French girl I met recently. Okay then, let's see what you can do. I don't know, Coach. I haven't played since Pop Warner. Okay, football's just like music, kid. Once you learn how to play it, it never leaves your soul. Besides, if you're as half as good as you are in hockey, we're in great shape. Hey, Tommy, give him a ball, would you? We've already got a QB, Coach. A darn good one based on the colleges that have already made me offers. And a modest one, apparently. Look, if you want to compete for state, it's always best to be prepared. All right. Suit yourself. You got plenty of room on the bench anyway. Casse-toi, je vais te montrer je suis qui, moi, tu vas voir. Ton petit cul. On dirait que je joue chez les Bucks. Ok, warm-up. Coach, we're gonna cover some basics just so you're ready for footing practice. Sounds good. Donc, en tant que quarterback, tu as besoin de voir toutes les parties du terrain. Donc, appuie sur L2 pour regarder les routes et le match-up personnel. Ok. Tu vois les routes, le receveur court une deep. Donne-lui quelques secondes afin qu'il atteigne sa vitesse max et tu tapes doucement sur rond pour lancer une passe lobée. Et merci. Putain, il lance loin. Maintenant, le receveur court un tracé moyen. Ton job est simple. Quand il fait un cut, tu appuies et tu relâches le rond pour lancer une passe touch. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai juste appuyé comme ça. Là, je dois appuyer et relâcher. Appuyer et relâcher. Tout à l'heure, j'ai tapé. Là, je dois appuyer et relâcher. OK ? Comme ça, je vous fais un petit tuto. Comme ça, vous comprenez. Et la balle doit être derrière les linebackers, en fait. C'est ça. Derrière les linebackers, mais devant les safety. Vous comprenez ? Genre, au-dessus des backers, mais devant les safety. Donc, au milieu. Donc, on fait. Là, je l'ai mis. Voilà. C'est vraiment touche-tâche. Genre, tu touches une demi-seconde, genre. Des fois, tu dois te débarrasser de la balle rapidement. Dans ces situations, tu dois tenir la touche enfoncée pour lancer une boulette passe. C'est simple que ça. Donc là, tu dois, rond direct. Tu maintiens ton doigt appuyé sur rond. Comme ça, tu lances une balle boulette. Des fois, tu dois bluffer ton adversaire. Donc pour ça, tu vas faire un pump fake. Pump fake, c'est quoi? C'est une feinte de passe. Donc, tu vas taper deux fois sur la touche que tu veux. Donc j'appuie deux fois rond, hop là, feinte. Et après j'envoie. Et j'ai. Vous avez capté? Ok, ils disent en gros que la précision, c'est pas genre quand tu jettes la balle à ton receveur, c'est quand tu jettes la balle loin des défenseurs, en fait, vous comprenez? Et là, en fait, ils nous expliquent comment lancer la balle à l'opposé des défenseurs à chaque fois. Donc là, par exemple, là, ça va être son tracé va être extérieur. Donc quand je vais lancer, je vais appuyer sur la touche pour lancer, mais je vais guider le joystick vers la touche, vous comprenez? Pour qu'il lance vraiment vers la touche. En fait, c'est ça. Quand tu lances, selon l'endroit que tu vas indiquer avec ton joystick, bah, c'est là qu'il va lancer le plus. Si je touche à rien, ça va lancer vers l'extérieur. Tu sais, c'est sûr, ça va lancer vers la cible, mais ça va vraiment aider si tu diriges avec le joystick, voilà. Donc regardez, là, je mets vers la touche. Regardez où il lance. Vous avez capté? C'est ça. Alors que si j'avais retouché, il aurait lancé sur lui et ça se peut que je me fais pique ou tu vois. Ok, là c'est pour faire une high pass, donc une passe vraiment lobée. Tu sais, ça c'est vraiment pour la end zone, etc. Quand le receveur est en contrat et tu sais que ton receveur jump haut et qu'il est plus grand que son défenseur. Donc tu vas faire ça, tu vas appuyer sur L1 et rond, voilà, hop, jump et lui va sauter. Chut.
léger. Comme ça, il le bosse et après c'était dé, tu gagnes, il restait 0 secondes et puis voilà, léger. Mais attention, c'est pas, elles sont faciles à intercepter, ok? Donc si tu veux la jouer safe, t'appuies sur L2 et tu fais une passe low, ok? Une passe basse, tu fais que ça va faire ça. L2, voilà. Comme ça là au moins, t'as moins de chances de te faire intercepter et là, même tu peux catcher entre deux receveurs, c'est léger. Maintenant, ils disent que si t'as de la pression, bah tu peux courir à l'extérieur, c'est normal, vous connaissez. Boum, t'appuies sur R2, tu cours. Léger, voilà. Là, ils disent que maintenant, quand t'as de la pression sur toi, il faut que tu cours à l'extérieur et que tu jettes la balle dehors. Je vous explique un truc. Des fois, y en a qui peut-être qui se demandent pourquoi ils se mangent un flag quand... Vous savez, le throwaway, c'est quand tu jettes la, t'appuies sur R3 et ils jettent la balle dehors, ok, en touche. Ça, c'est quand t'as de la pression, tu vois un blitz qui arrive, t'as pas le temps de lancer, donc tu jettes dehors pour pas te faire saquer. Il faut sortir de la box pour éviter de se manger un flag, c'est ça. Donc, il faut sortir de la poche, hop, tu sors et après, t'appuies R3. Fou. Léger. Plus simple que ça. Et là, je ne mange pas de flag. J'espère que ce tuto vous a plu. Sounds good, coach. Good. Good practice. Welcome to the team. Hey, thanks, man. All right, man, listen. I'm going to be real with you. This ain't gym class, okay? This is my team. As long as you understand that, it's fine. You got it? Me dis que ta mère, je vais te sauter ta place, tu vas voir, c'est le clochard. Lui, il est fou, lui. Faut lui dire, les gars, on va le sauter. Dommage, je ne peux pas se battre. Je te jure que j'aurais créé une bagarre. J'aurais fait vraiment comme en vrai, genre. J'aurais créé une bagarre, je me serais battu avec lui. Find yourself a box, keep it clean. Seat's taken. Ah, il va me le bolos, Carrie, là. Captain of the team in the corner away from everyone? Shouldn't you be in the middle of the locker room? Morale and all? Well, I'm just over here for some peace and quiet. I like to get my head clear before a game. But I can't really do that if guys like you keep bothering me. No, I'm sorry, man. I'm sorry. It's just... this whole recruitment thing, it's really stressing me out. Thought you had a ton of offers. I did, but they can disappear as quickly as they come in. Plus, if I'm not on my game at all times, I can pretty much kiss it all goodbye. I mean, no full ride to college. Il a chaud là. Il a chaud parce que je viens d'arriver. Il pense que je vais lui prendre sa place. That's a bit lofty, isn't it? Maybe, but I got a lot of people counting on me, so see NFL or bust. Well, if you're as good as advertised, that shouldn't be a problem. Putain, je lui ai mis ses vieilles voix. J'ai le mort. Yeah. You'll get a chance to see up close on Friday night. Who's that? That's Reggie Brown. He's in charge of the school paper and the social media account. He's a pretty good kid, just, you know, a little annoying. Great, and here he comes. What's up, Reggie? Tommy Matthews. The man, the man, ok, c'est bon, je viens de capter. Donc quand j'étais venu avant, en fait, j'avais arrêté le foot, je crois. C'est ça. Bah, j'étais une légende déjà de la NFL, Crary. Donc ça, je lui raconte mon histoire. Ok, parce que lui, c'est Reggie Brown, c'est le mec de tout à l'heure. Ok, lourd. So get this. You're really gonna love this. Ok, so today, I was in the cafeteria. And you know how I usually have a chocolate shake at lunch, right? Ok, so today, this is crazy. I had a vanilla shake. That's crazy, right? I mean, vanilla. Yeah, well, Tommy, man, you gotta give me something I can use here. Anything, man. Well, how about a quote? Okay, Reggie, here's a quote. Tommy Matthews scores 4 touchdowns and leads his team to another victory. How about that? Okay, yeah, I'm sure I can make that work. It's better than nothing, I suppose. Hey, if you really want a quote, I could help you out. Who are you exactly? I'm the new backup QB. Pourquoi? Backup QB. Comment? Yeah, I'm good. No, thanks. Comment il est fier? Mais non! Les gars, il est fier d'être backup QB là, je vais le niquer. Ah le bâtard, je vais te niquer mon gars, Freeman, wesh. Vraiment, je regarde ma vie, genre. Si j'étais au States, mais j'aurais pas fait ça moi.
ask me anything. Okay. First question. Which quarterback style would you say you emulate the most? Moi, c'est Michael Vick, Lamar Jackson, tout ça. It's been a while since I played. Lamar Jackson, mon gars. Back in the day, my game was. Ah, moi, je veux courir, je veux que courir, j'en ai rien à foutre. Lamar Jackson. If all my receivers are covered, pull it down, hit the hole for some big gains. All right, solid answer. Je vous ai dit, je vais cabale après, je fais running back. How would you describe your personality in the huddle? Je suis un leader. Non, je voulais mettre leader, j'ai mis team player. No matter what sport you're playing, the most important thing you can do is be ready when your number is called. So, whatever coach asks me to do, I'm gonna do it. Finally, that's something I can report on. Thanks, QB2. Non. See you out there Friday night. Sale chien. All right. Attends, tu vas voir, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais mettre que des TD à la course. Parole, je vais mettre que des TD à la course. Je vous ai dit, ils vont mettre running back très vite. Tommy. Ok, on perd 0-13. You all right, man? Yeah, I'm fine. Oh, la tenue, elle est lourde. You don't look fine. You look sluggish. It's like you're not playing with any heart out there. Don't you dare talk to me about my heart. I've put everything I have into this. This game is my life. If you have so much heart, prove it. Because you're not showing any out there. Oh. Whoa, hey, easy. Easy, man. Mais c'est une fiotte. I mean upset you. You're right. C'est vraiment une fiotte, hein. About my lack of heart. Look, I didn't mean anything by it. No, it's my heart, man. Il a mal au cœur. I was born with a congenital heart defect. Ah ouais. What does that mean exactly? Je sais même pas ce que ça veut dire. My heart doesn't push blood through my body properly. Ok, il a un problème au cœur, en gros. Il a un problème au cœur. Tommy, I'm sorry. I had no idea. Sois même pas désolé, mon gars. Il a eu le verre mal, maintenant il fait le miskin. Je reprends sa place, nique-le. My doctor's saying I need another one. Tommy, you need to get help. Immediately. Listen, if word gets out about this, that's the end of my football career. Do you understand? Please, you can't tell anyone about this. Moi, je veux le poucave, hein. This is serious. Ah, mon gars, c'est sérieux, là. I can't afford to wait any longer. It's just fatigue at this point. I'll be fine. Ma canne, ouais. J'arrête, je vais commencer à faire le miskin, moi aussi. Je vais être en deuil. Also, I owe it to these guys to help them win a state championship. Sit down, mon gars. You're not je vais le faire. Out there tonight. Especially yourself, plus you play. Moi, je veux jouer, frère. C'est mort. Là, je lui ai dit de s'asseoir. Why didn't let you take over? I don't think so. I'll be fine. Mais ma bite, gros. Je vais jouer. Gros, je vais. Mais c'est ouf. Maintenant, je vais jouer à sa place. It's hard to celebrate homecoming when you're being shut out by your crosstown rivals. Tommy Matthews is just not playing like himself tonight, and that is the major storyline as we continue our shot. Tommy, hey coach, what's the plan? I'm gonna have to bench you for the rest of the half. Oh, he va le bench toute la mi-temps. What do you mean? You're pulling me from the game? Coach, I've given everything to this team. J'en ai rien à foutre, frère. Vas-y, laisse-moi à la place. I'm doing what's best for you and for the team. Please, sit down. Coach, I don't know what he said, but I'm fine to play. Look, I've got scouts here watching me tonight. You can't bench me. No, you can't play. Est-ce qu'il l'a bouqué? For me, please, sit down. Hey, we'll talk about this later. Oh! What'd you say, man? I had to. Un patin. Il a bouquin qui l'a vraiment cœur. I need you to focus. You got 52 other guys out there counting on you now. Well, I mean, 52 guys? No sweat, coach. I can do it. Good. Because we're gonna need you to ball out. That's not asking too much, of course. Oh no, I got this. Accept. Was it the play calling? I mean, I've had 2 whole weeks to digest everything. I'll be fine. What can go wrong? Great. With your raw athleticism. Je vais cavale. Je vous dis, les gars, je vais cavale. Hope you're right. Vous êtes pour quoi? Something. The helmet. The piece de Renaissance. The most important part. Taras avec sa piece de Renaissance. Yeah. You're right, coach. I got this. Yeah.
Yeah, you got this. He still hasn't got this. Non, mais... Mais putain, j'ai pas envie de contrôler l'équipe. J'ai pas envie de contrôler l'équipe. Les gars, ça commence mal, je vous le dis. C'est vraiment Madden. Voilà, ça fait flipper les gars, c'est Madden 20. Je vais faire le mode histoire et tout, hein, mais ma parole, je suis en train de craquer. Ah, j'aurais grave pu gagner. Oh lolo. Oh lolo. Oh lolo. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est fort, mon joueur, c'est incroyable. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bah, ouais, allez pas me dire que je vais jouer en défense, s'il vous plaît, les gars. Wesh, c'est pas sérieux. C'est archi pas sérieux, ça. Mais wesh, comment tu glisses? Comment on glisse, wesh? Bon, on a perdu, hein, sa mère, hein, mais ouais, je comprends pas comment on glisse, wesh. T'as déjà un. Est-ce que vous... Vous êtes au courant? On peut remonter, là? Non, c'est ma mère, on peut remonter, wesh. Attends, je vais envoyer à Maddox. Tête de ma mère, il a marqué, frère. Ah, ça graille. Vas-y, là, c'est le moment, là. Là, c'est le moment pour Freeman, là, mon gars. Là, s'il marque, là, il gagne, là. Oh là là, et c'est fini. Oh là 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 là. Eh, c'est vraiment un scénario tard les films. Vraiment digne d'un film, là. Et les gars, comment c'est dur de jouer, je vous cache pas. Ok, c'est parti. Oh là là. Oh! Oh là 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 là! Je pensais vraiment que j'allais me faire pique. Mais j'oublie que je joue contre l'ordinateur et pas contre un mec. Oh là 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 là, mais quel. Oh là là, quelle fin de match! Incroyable! Mais qu'est-ce que c'est chiant de pas choisir son jeu, j'en ai marre. Moi, je juste. C'est pour ça que j'ai dit, dès que j'arrive en NFL, j'arrête. Alright? Keep doing good work and I'll be in. Hey, Grant Simmons. Recruiting analyst over at recruitstowatch.com. Heck of a game at that tonight, son. C'est un recruteur, les gars. You ever think about your future in football? Where you might want to commit to? Not really. I'm just kind of having fun out there. Yeah, yeah, I see you out there having fun. Well, look here, when you're ready, give me a call, all right? Okay. I'll add you to our site. My man. My man. Le démon, casse-toi, toi. Ah, t'es malade, là. Bouge de là, là. Casse les couilles. Fais pas le miskin, toi, je t'ai dit. Commence pas. S'en bat les couilles, des gens, là. C'est un ouf, lui, wesh. Il fait comme s'il avait de la peine. Il y a pas de peine. Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Je suis en train de tourner une vidéo sur Madden, hein. Si tu veux passer, après, passe, ma gueule. Got a few moments for an exclusive? Sorry, maybe some other time, Reg. I got a lot of prep for the playoffs. I tell you what, if you give me the exclusive... I put together your senior highlight reel for recruiting next year. Wow, you'd really do that? Heck yeah. Man, I got a lot of tricks to get a lot of eyes on your tape, too. Yeah, I do that for all the guys that are pretty nice to me, which is the kicker and now you. Sold. I need as much help as I can get with recruiting. All right. Let's get started. Wow, great. Okay. Okay, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Regarding your last game, mm-hmm. What would you say is your biggest strength? Ma plus grande force, c'était la précision, on va dire. La précision. Bah ouais, ouais, j'étais chaud, j'ai fait que des passes, j'ai complété toutes mes balles. Ouais, ouais, j'ai fait des bonnes passes. Well, Reg, I guess there's your exclusive. Need a word from my office. Attends, qu'est-ce qu'il vient de faire à ses chaussures? Vous avez pas vu? Il avait un crampon Nike, un crampon Adidas. Oh! Quel bail! Ah oui, parce qu'on a Arizona.
C'est la finale, Lazarma. Ok. Let's go. Graille, les gars. Fuller. Fuller, je sens que tu étais chaud, Fuller. T'es mort. Oh. Mais tu comprends, il y avait Triangle, c'était aidé. C'est pas grave, mon gars. Freeman, je suis dans ta tête. C'est moi qui suis en train de te parler. Tu vas l'envoyer à Zombo, le Dozo ou Fuller. Un des deux. On voit la Zombo. On voit la Zombo. 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 Je vous ai dit ou pas, les gars. Zombo, mon gars. Ah, dommage. Let's go. Un de ses vieux speed éclaté, mais je lui ai mis. Je m'en bats les couilles. C'est grave nul ce qu'il a fait là. C'est la main, il a mis une pêche de. Léger. Oh là 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 là. Mais comment je suis chaud. Fuller, on m'adapte. Fuller. Je pense que je vais vous passer la fin du match parce que là, j'ai de la merde. Après, ils font des dabs, ouais. Je suis en 2020. Ouais, Rick, il va faire des pizzas, donc si tu veux ramener des ingrédients, des trucs, tu peux ramener. Donc léger, mon gars, je t'attends. Tommy, how the heck have you been? Hey, Tommy, how you feeling, man? Good. Got a clean bill of health. I'm ready to get back out there. Come on in, have a seat. Didn't think you'd be back. Trust me, I tried transferring. Doesn't seem like any other schools want to accept a perceived health risk. But I've got a clearance from my doctor, coach. I'm ready to play. Offer job back to Tommy. Tell Tommy the position is filled, mon gars. The position is filled, mon gars. You're healthy, Tommy. And I know the position is filled, mon gars. La position, elle est morte pour lui. This is sort of my team now. M'en bats les couilles, moi. Y'a pas de team player là. You know what would make you an even better quarterback? Me at receiver. Shoot, yeah. Work something out. Like you said, coach, you gotta do what's right for the team. It's the best news I've heard since my Aunt Lokalani's bore one best in show. I'm gonna get the playbook. We're gonna start drawing some stuff up. Woo! I know I'm not your favorite person in the world right now. You're not even in my top 7 billion. That's fair. Just know I did what I did to protect you. Not to try and take everything that you worked for. And I can understand if you're angry with me, but I'm gonna do everything I can to make it right. I'll tell you how you can make it right. The Midwest Prep Showcase, later this season against the Central Hawks. What about it? Well, they're the best team in the country and it's a nationally televised game. Ah, mais c'est deux saisons high school, je crois. So what do you want from me? Just want you to let me go out there and do my thing and show the recruiters what I can do. It's my last chance at getting an offer. Fine. But if it's not working out there, then I gotta get the other guys involved. Trust me. You won't need to. Okay. Ok, donc c'est quoi ce match là? Ok, là c'est National Championship. Mais c'est double. Wait, it's your. Yeah, rapper. Producer, entrepreneur, Snoop D-O-double-G, please believe it, that's me. But hold up, ain't you one half of them Heartbreak Boys? I'm a huge fan of yours. Nah, man, I'm a fan of yours. Check this out, if the coach and half the stadium knew what I was about to say, they try to run me out of this town, man. But let me tell you this, I've been following y'all's story for quite some time, and I'm pulling for y'all tonight. Wow, that's amazing. Thank you so much. For sure, my brother. Now get out there and go do your thing. Snoop. Attends. You know Tommy Matthews? Tommy! Hey. Hey, man, it's a pleasure to meet you, man. I'm such a fan, man. Hey, likewise. Love your hard work, your dedication, and how you just put the team and put everything on your back, man. That's beautiful, man. It takes a whole lot to do what you did. Wow. Thanks, man. Let me tell y'all something.
Y'all better get out there and make it count, man. It's a whole lot of schools that's gonna be watching y'all tonight. And I got a feeling I'm gonna see y'all again. Good luck. Mais c'est de la merde, hein, en fait, si je deviens un running back et thanks, tout. Snoop. Yo, we just met Snoop D-O-double-G. I know. That was cool. What? Let's go do this, man. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Ah, tu sais, c'est pour toi. Léger. Je l'ai dit, les gars, j'allais lui faire confiance, frère. Comme ça, il est content, frère, tu vois. Maddox. Fuck, faut que je cours. Pouah. Bon, gars, je vous ai dit, j'ai fait un petit Lamar Jackson. Bon, là, il est lent pour l'instant, mais t'inquiète pas. Elle les mêmes animations depuis 2015, frère, vas-y. This question is for both of you. What trait do you think will give you okay, national sign day? Putain, je sais plus ce qu'il m'a dit. Il m'a dit quoi? Vas-y, reading the defense. I think my ability to quickly find the open receiver is what really sets me apart. I mean, it must have been a little easier with me out there, right? When you snap the ball, you throw it to Tommy, rinse and repeat. But seriously, though, the past 2 years have really put things into perspective for me, and thanks to this guy, I'm just fortunate enough to have the opportunity to go to college and further my football career. Wow, okay, gang. I think that puts us in a great place to go to find out where these two are going. All right, gents. Bon, je vais aller où? On va à la Clemson. Voilà, Clemson ou alors Oklahoma. S'il y a Oklahoma, je vais à Oklahoma direct. Comme ça, je fais. S'il y a Oklahoma, lourd. Je vais à Oklahoma. Je vais à Oklahoma. Pour être le prochain Kyler Murray. Non. Oklahoma, bébé. Oh, wow. Eh oui, tonton. Wow. Après, je vais à l'Ocard. Tell us, when it came down to it, what led to this choice? Well, there's been a lot of elite talent that have walked those halls, and I'd love to add my name to that stored list. Plus, the opportunity to play for a legend like Coach Miller is too much of a draw. Bah, le coup du coach, je veux juste être Kyler Murray 2. Success at the school, and nothing else. I think there's a lot I can learn from you. Il vaut ou pas, tu veux savoir? All right, Tommy. What you got for us? Let's see, who's he gonna be? C'est un bâtard. C'est un bâtard. Il vient avec moi. Oh, Tommy, same question. Ok. Well, isn't it obvious? I mean, tu vois, parce que je l'ai laissé, je l'ai fait marquer et tout. Can't break up this ah, ça bon, ça bon, ça bon. Ça graille, ouais. In this case. Ah, mais tu pourras en faire QB, je m'en bats les couilles, moi, je vais être une balle. C'est pas le malin. Mais tu vois, juste pour ça, j'ai envie de rester QB. Juste pour ça, t'es là, je vais rester QB, vas-y, ça y est. Juste pour ça, il fait le malin. More details rolling in, everybody, on today's crazy news. Coach Miller is stepping down from his illustrious college coaching career, and in his place, the school is promoting hotshot defensive coordinator Red O'Brien. Now, Coach O'Brien has been all the rage for quite some time, sitting at the top of a ton of schools' shortlist for head coaching gigs, but it sure looks like he's just going to stay put and take over the entire program. But what I really want to know is what it's going to mean for everyone's favorite dynamic duo, the Heartbreak Kids.